know what goes on. Rolling Stones is a rap game, not bragging. Lips bigger than Jagger, not sagging. Spell it backwards, I'ma leave it at that. That ain't got nothing to do with rap. So 20 years later, of course it does while consciousness faded. New generations believe in them fables. Gangsta Boogie on two turntables. Thank you for letting us be ourselves. So don't mind me if I repeat myself. These simple lines be good for your health. To keep them crime rhymes on the shelf. Live, love life like you just don't care. Never scared. Bring the noise, it's the moment they feared. Get up, still a beautiful idea. Fini. Donc vous avez compris que c'était la publicité pour les Jeux paralympiques de 2012. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une naine, différents handicapés, des handicapés de naissance visiblement, des handicapés suite à des accidents de la vie. On voit aussi ce sport épatant qui est le rugby en fauteuil roulant, qui est quelque chose d'assez physique. Et ça pose tout de suite la question en fait de l'homme diminué, de l'homme réparé, de l'homme augmenté, de l'homme transformé. Dans un avenir proche, on peut imaginer que une partie des personnes que vous avez vues auront l'air comme vous et moi en parfaite forme, vous en tout cas, et que les nains n'existeront plus, non plus que les trisomiques, et donc il y aura une humanité totalement rénovée, une humanité fabriquée, une humanité transhumaine, qui aura réussi à éliminer le problème de la maladie, le problème du déficit, le problème du handicap, et peut-être même le problème de la mort. Donc c'est un peu ça qui est le projet transhumaniste, et c'est ce qu'on va essayer d'explorer ensemble. Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a fait paraître plusieurs recommandations. Il y a en ce moment au moins un organisme européen, un organisme national qui travaille sur cette question. Et il disait que l'explosion récente des recherches sur le cerveau, l'implication considérable des militaires dans ces recherches, les avancées attendues de la convergence NBIC concourent à l'actuel changement d'échelle et de nature des technologies de neuroamélioration. Avec le développement de nouvelles modalités de perception, de commandes à distance au moyen d'interfaces cerveau-machine, etc., cette évolution est en cours et ne relève plus de la science-fiction. Elle est tellement rapide qu'elle précède en très grande partie l'acquisition des connaissances. Ça, c'est un texte qui doit dater de 2013. Ce qui est intéressant, c'est que donc ce transhumanisme est quelque chose qui est à la fois totalement de l'ordre de la science-fiction et en même temps totalement de l'ordre du présent. Effectivement, les journaux nous abreuvent en permanence telles avancées décisives dans les implants rétiniens qui permettent aux aveugles de voir, ou de telles autres avancées contre les maladies neurodégénératives où une puce permet de maîtriser le tremblement de la maladie de Parkinson. À côté de ça, évidemment, chacun de ces articles est accompagné d'une prudente mise en garde expliquant que, quand bien même ce qu'on nous présente paraît terriblement prometteur, on est encore loin du prototype à l'industrialisation. C'est sans doute l'une des choses les plus intéressantes qui est à observer dans cette évolution transhumaniste, c'est qu'il y a une très forte promesse, qui est à peu près d'ailleurs la promesse qu'on retrouvait avec le nucléaire, ou la promesse que les météorologues nous faisaient il y a 80 ans, ou la promesse que ceux qui avaient inventé la vapeur nous avaient faite, et que sans doute ceux qui ont inventé la roue avaient faite aussi, qui était de dire « c'est génial, on est en train d'avancer à grands pas, demain la Lune, après-demain Mars, et le surlendemain, un homme absolument parfait, et des femmes aussi ». Comment est-ce que s'articule cette pensée? Je vais essayer de construire ma conférence en trois parties. La première partie s'appelle « D'où ça vient ?», la deuxième partie s'appelle « Où ça va ?», et la troisième partie s'appelle « Pourquoi ça marche, ça va pas ?». J'ai vraiment travaillé les titres. Et la première partie « D'où ça vient ?» va plutôt insister sur le côté philosophique de la chose. Et donc plutôt que de se lancer d'emblée dans qu'est-ce que c'est que la convergence NBIC et les implants cochléaires ou ce genre de trucs, on va plutôt parler de l'arrière-plan philosophique de cette
de ce transhumanisme, de ce courant qui est à la fois un mouvement philosophique, ou en tout cas un mouvement de pensée, à la fois un projet industriel, à la fois un projet financier, à la fois un projet de société, autrement dit, qui est l'un de ces globi-boulga dont les Américains sont fervents, et qui, comme dans tous les globi-boulga américains, réussit effectivement à conquérir le monde, et à conquérir surtout les bons esprits et les beaux esprits. Une partie des citations que je comptais vous projeter sur le mur lumineux, et que je me contenterai de vous réciter, sont des citations venant d'auteurs français, enseignants, chercheurs, neurochirurgiens, directeurs de cliniques, récompensés par des prix, et effectivement, braves gens au demeurant, même si leur philosophie est extrêmement dangereuse. Pourquoi est-ce qu'elle est dangereuse? Parce que on voit bien que le transhumanisme est un projet de modification de la nature humaine. Enfin, jusqu'à une date récente, beaucoup de choses étaient remises en cause. Voilà, le roi, par exemple, donc beaucoup de gens ont fini par se persuader qu'il n'était pas nécessaire, nous ne sommes pas d'accord. La religion, là aussi, pas mal de gens ont considéré que ça ne servait à rien. La mini-jupe ou la burqa, c'est un peu plus en débat. Mais bon, énormément de choses sont abandonnées au fur et à mesure, et on va dans un mouvement où il y a de moins en moins de contraintes. Il y a de moins en moins de contraintes parce qu'on identifie ces contraintes, on identifie les limites. Il y avait une limite que personne n'avait songé à identifier réellement, qui était la nature humaine. Ça y est, maintenant, la nature humaine est devenue une limite, au même titre que le temps et l'espace. Donc, autrement dit, les trois grandes limites de l'humanité, le temps, l'espace, le corps, sont explosées. Alors, le temps est explosé parce qu'aujourd'hui, on est dans un rapport d'immédiateté avec énormément de choses. Voilà, je peux envoyer un mail à Tokyo et une seconde plus tard, il est reçu à Tokyo. Je peux m'amuser, si je veux, à faire des algorithmes de calcul à haute fréquence pour les transactions financières où il y a 1 million d'opérations en 1/10 de seconde. Le temps, d'une certaine manière, n'existe plus. L'espace aussi est, d'une certaine manière, annihilé, soit par la rapidité des transports, soit par les interfaces numériques qui me permettent de parler à quelqu'un qui est extrêmement loin. Le corps lui-même, qui était censé être la limite ultime, est en train de se transformer. Il y a des expériences de décorporation, il y a des expériences où on peut, avec la pensée, agir à distance sur d'autres éléments. Vous avez sans doute vu des reportages, vous pourrez voir des reportages sur les expériences qui sont menées, soit dans une clinique de neurochirurgie, justement à Grenoble, soit dans certains des centres de recherche de l'INRIA, donc l'Institut National de Recherche en Informatique et sur les Automatismes, où en fixant une interface, on est capable de composer un mot, et ce mot déclenche une action qui fait qu'il y a un bras mécanique qui comprend qu'il doit déplacer un verre ou pousser une balle. Donc on arrive aujourd'hui à s'affranchir des limites du corps. Mais on arrive aussi à s'affranchir des limites du corps tout simplement parce qu'on considère que le corps n'est plus constitutif de la nature humaine. Et c'est là où le transhumanisme est le plus intéressant et évidemment le plus terrifiant. Dans la revue Chimère, donc, qui est une revue française, très imprégnée par ce qu'on appelait la French Theory, autrement dit tous les philosophes de la déconstruction, Deleuze, Guattari, Derrida, Foucault, on nous dit, au lieu d'être tout simplement des ennemis du corps, toutes ces nouvelles formes d'hybridation, autrement dit d'hybridation mécanique, d'hybridation entre personnes, d'hybridation avec l'animal, pourquoi pas, peuvent nous offrir de nouvelles voies d'accès à un corps qui ne serait plus une prison ou un tombeau, mais un plateau, alors je ne vous fais pas les guillemets, mais voilà, il y a prison, tombeau, plateau, région d'intensité continue qui ne se laisse pas arrêter par des frontières extérieures, celles de la nature, donc les guillemets soulignent l'ironie d'un concept, ou de l'organisme, là aussi, des guillemets pour bien nous montrer que tout ça n'a pas beaucoup de sens, mais qui procède par modulation, vibration et variation d'intensité. Donc le corps, ce n'est plus nous. Avant, on était un peu parti pour considérer que, voilà, homme et femme, il les créa, Bacher, dans la Bible, voilà, donc il y a un concept qu'on appelle l'homme, et c'est à la fois le corps et l'âme mélangés. Puis après, le dualisme débarque, surtout avec la philosophie des Lumières. Il y a le corps d'un côté, il y a l'âme de l'autre. Le corps, et d'ailleurs, comme on commence à philosopher sur le corps-machine, et donc là, le dualisme est poussé à son maximum. Non seulement le corps et l'âme ne sont vraiment pas la même chose, on n'est pas certain que l'âme existe, mais de toute façon, le corps n'est plus constitutif de l'humanité. Ça devient fascinant. Donc il y a un culte du changement permanent, en fait, qui a remplacé l'avènement de l'homme nouveau. Donc si vous avez écouté Antoine de Crémier et Éric Leti, donc vous savez que, d'une façon générale, les révolutionnaires ont
un projet qui est celui de l'avènement de l'homme nouveau, que ce projet n'est pas neuf, et qu'en tout cas en France, voilà, il naît avec les Lumières, il connaît son apogée avec la Révolution, et que depuis la Révolution, le fait de vouloir faire advenir un homme nouveau est le mantra de ceux qui nous gouvernent. Alors, à défaut de réussir à faire advenir un homme nouveau, ils essayent régulièrement de tuer l'homme ancien, dans lequel ils sont beaucoup plus efficaces, mais il y avait quand même l'idée d'avoir un homme nouveau, autrement dit, de respecter la nature de l'homme, mais de faire en sorte que cet homme nouveau réalise pleinement ses potentialités. Maintenant, on est passé vraiment à autre chose. C'est-à-dire, il y a un culte du changement où je ne dois pas me réaliser en tant qu'homme, je dois me réaliser en tant qu'autre chose. Je dois me réaliser en tant que moi. Mais un moi qui est irréductible aux autres. On pousse l'individualisme très loin. Là, pour le moment, on peut considérer que vous et moi sommes de même nature et que le fait d'être de l'humanité nous réunit fortement. Bientôt, avec le transhumain, si j'ai envie, moi, de m'hybrider pour faire en sorte d'avoir des ailes dans le dos pendant que vous, vous choisirez de vous laisser pousser des branchies pour aller dans l'eau, évidemment, il y a un moment donné où ça va devenir extrêmement complexe. En tout cas, nous ne nous sentirons pas pareil. Voilà, je serai papillon, tu seras carpe, voilà, donc nous ne serons plus ensemble. Et effectivement, c'est possible. Et c'est quelque chose qui est de l'ordre même du probable. Après tout, on peut considérer que si le but de ma vie est d'accumuler les expériences, j'ai un corps qui est plastique, qui est une machine, qui est considéré comme une machine, et en tant que corps-machine, je peux me permettre de l'interfacer avec le monde extérieur sous forme d'exosquelette pourvu d'ailes ou d'exosquelette pourvu de branchies, ou même, pourquoi pas, si définitivement ma pratique des sports extrêmes m'entraîne à être perpétuellement en train de plonger dans l'eau, pourquoi pas me faire greffer des branchies, sachant qu'un jour je pourrais me les faire dégreffer pour me faire greffer autre chose ailleurs. Je laisse votre imagination parcourir le champ des possibles. Le conservateur, lui, évidemment, par rapport au progressiste qui est prêt à devenir papillon ou carpe, lui ne veut rien conserver, il veut tout conserver, et en fait, il a juste peur du changement dans ce paradigme-là. Le conservateur est juste un type qui n'a pas absolument compris la richesse des potentialités de la chose. Alors que les gens du transhumanisme nous expliquent que cette humanité transformée, avec plusieurs modalités, il y a les transhumanistes durs, vraiment matérialistes, vraiment utilitaristes, qui pensent que tout est permis puisque la nature n'existe pas, et il y a le courant français, un peu gauchiste, un peu mou du genou, dirigé par Kernel de Technoprog. Je vous conseille le site Technoprog, qui est vraiment très bien dans le genre. Et qui nous dit que la société des immortels sera une société où on sera plus riche parce qu'on travaillera plus longtemps mais on dépensera moins pour se soigner, une société plus apaisée, il y aura moins de délinquance chez les vieux car un citoyen âgé est un citoyen heureux. Alors évidemment, comme il vise le fait d'avoir 953 ans d'espérance de vie, il est certain que entre 277 et 278 ans, la puberté étant vraiment totalement consommée, il y a moins de chances qu'on se frappe. Plus écologique, voilà, les vieux soignent l'environnement, préserver la surpopulation par la baisse de la natalité, et d'ailleurs les transhumanistes nous expliquent que plutôt que de se lancer dans un génocide que les natalistes vont forcément nous obliger à commettre, puisque si on laisse la population croître, on ne pourra pas se partager les ressources, au contraire, en adoptant un point de vue transhumaniste, c'est-à-dire en se débarrassant de la maladie, de la mort et de la fécondation, on peut réguler les naissances d'une façon tout à fait normale et faire en sorte de ne tuer personne, puisque tout le monde sera vivant, mais que personne n'aura besoin d'enfanter. Donc une espèce de résolution de l'explosion démographique qui est tout à fait aimable et un peu technologique. On a l'impression, évidemment, en entendant ce genre de délires, qui ne sont pas si délirants que ça. Évidemment, je les présente d'une façon farcesque, mais les transhumanistes les présentent comme étant, évidemment, autant de progrès pertinents. Dire après tout, je suis malade, j'ai envie d'être guéri. Oui, ça paraît bien. La mort m'effraie, j'ai envie de vivre plus longtemps. Parfait, c'est légitime. La fécondité est un fardeau, et il y a des milliers d'enfants qui meurent en bas âge, ou même intra-utéro dans le monde. Eh bien, très bien. On va faire des utérus artificiels, vous allez être débarrassé du fardeau et on va pouvoir faire en sorte de produire les enfants d'une façon rationnelle. Tout ça paraît légitime. Tout ça ne paraît pas complètement fou. Tout ça peut paraître effectivement pertinent, progressiste, techniquement sûr et rationnel. Il y a juste évidemment un défaut, c'est qu'on a l'impression que la condition humaine est fautive. Que, en fait, non seulement la nature humaine n'existe plus, mais qu'en fait, ce qui reste de la nature humaine, c'est le fait qu'elle est profondément pécheresse, viciée, faussée, pécamineuse, et qu'elle ne peut être sauvée qu'à condition de la transformer radicalement. L'alternative, c'est le cyborg ou la mort. L'humain est obsolescent. Donc les scénarios héroïques des transhumanistes nous disent il faut qu'on sauve l'humain de la mort, il faut qu'on sauve l'humain de la maladie. La mort est devenue la grande ennemie.
Mais elle n'est plus inévitable, elle n'est plus quelque chose qui s'impose à nous tous. En fait, jusqu'à maintenant, nous vivons dans une sorte d'inintentionnalité. Voilà, je suis homme, soit de sexe mâle, soit de sexe féminin. Je suis vivant, je suis né d'un père et d'une mère. Je mourrai, je serai vraisemblablement enterré, incinéré, cryogénisé. Il y a plusieurs techniques. Donc la mort s'impose à moi comme à vous tous. Là, je peux, à un moment donné, considérer qu'au contraire, la mort est juste une disruption. Et donc, je peux considérer que la mort est l'ultime défaut mécanique que je vais pouvoir réparer. Et là, à ce moment-là, on commence à s'écarter. C'est-à-dire, celui qui aura décidé de ne pas mourir va considérablement s'écarter de celui qui choisira de continuer à mourir. Donc là, on commence réellement à supprimer le dernier commun qui paraissait être la condition humaine par excellence. Donc cette condition humaine se dissipe avec cette mort qui, potentiellement, n'existerait plus. Laurent Alexandre, un médecin dont vous entendez sans doute parler, qui a fait une très bonne conférence sur TEDx, que je vous conseille de regarder, et qui est aussi un chroniqueur régulier du monde, du monde des sciences, explique régulièrement, quand il fait ses conférences, que dans la salle, il y a forcément quelqu'un qui vivra 200 ans. Je vous livre cette chose réconfortante, surtout pour ceux qui sont en train de chercher leur premier CDI. Et nous allons continuer en regardant exactement ce que Kurzweil et les autres veulent dire. Kurzweil et les autres disent qu'il y a un point qui est le point de singularité. Ce point de singularité, c'est celui où ce ne sont plus les humains qui développeront les nouvelles technologies, mais en fait les nouvelles technologies qui se développeront elles-mêmes. Et donc au service de l'humain, bien sûr, qui aura réussi à gouverner raisonnablement la cybernétique pour faire en sorte que la machine ne révolte pas contre lui. Un rythme qui est censé dépasser notre entendement. La civilisation aux mains des cyborgs et des surhommes génétiquement modifiés permettra d'avoir une intelligence répandue dans le monde entier et dont nous pourrons user librement. Revenons un peu aux Lumières. Maintenant qu'on a vu le dessin qui est celui des transhumanistes. Pour les Lumières, il n'y a pas de limite. Et donc le progrès et la religion du progrès que les Lumières vont imaginer font que le progrès est un outil qui doit identifier la limite et à peine la limite identifiée doit pousser à la dépasser, la transgresser, la repousser, l'annihiler, plus haut, plus vite, plus loin, plus libre, dans l'ordre du physique comme dans l'ordre du moral. La royauté, la religion, les mœurs, l'éthique, le langage et la notion même d'humanité, tout ce qui est contraint et tout ce qui me contraint doit être détruit. Le corps lui-même, est donc, comme je vous le disais en introduction, est vu comme une machine et le dualisme corps-esprit prévaut, sachant que la perfectibilité infinie que réclament les Lumières est déjà au XVIIIe siècle une perfectibilité dans l'ordre du sensible, du corps, de la nature, comme dans l'ordre du social et du moral. C'est-à-dire, déjà, il faut corriger ce qui est physique. Et l'expansion morale, très rapidement, devient se veut d'ailleurs être le synonyme de l'extension du domaine du connu. Et donc, confusément au nom, de même, les encyclopédistes prétendent être très éclairés parce qu'ils maîtrisent les techniques. Alors, pour la petite histoire, et pour ceux qui connaissent bien la F, Pierre Gaxot, lui, a lu l'encyclopédie et explique que ce qu'il y a en matière de technique à l'intérieur de l'encyclopédie est déjà obsolète par rapport à l'état des sciences et des arts de l'époque où l'encyclopédie paraît. Mais peu à peu, on nous expliquera que la locomotive et l'adultère, l'électricité et la libre pensée, le nucléaire et l'athéisme sont quasiment équivalents et synonymes. Autrement dit, que celui qui est du côté du progrès technique est du côté du progrès moral et est du côté du progrès social. Avec toujours ce frein que même si le communisme et le nazisme veulent un homme nouveau, ils veulent un homme nouveau mais fixe. C'est-à-dire une fois qu'advenue la race nouvelle, une fois advenue la nouvelle société, il n'y a aucune raison d'en changer. C'est la fin de l'histoire et plus rien ne se passe. On est au paradis communiste ou au paradis nazi, au paradis de la Révolution française. Et ce paradis-là, en revanche, est intangible, infrangible et éternel. Pas question d'en changer. Alors évidemment, en cours de route, la société n'est pas intacte. Hein. Le fait, on va changer énormément de choses, et notamment tout ce qui est de l'ordre de la transmission. Donc évidemment, les révolutionnaires ont un problème avec le passé, les transhumains ont exactement le même problème avec le passé, avec l'expérience accumulée. Donc quand on naît,
Et le petit poussin de Maurras que vous connaissez tous, cet apologue, est là pour vous le rappeler. On ne naît pas orphelin, on est avec un bagage, qui est un bagage physique, notre héritage génétique, un bagage culturel, un bagage d'expérience, déjà partagée in utero en termes de son, en termes de saveur, en termes de microbes, d'ailleurs, voilà, si j'accouche par les voies naturelles, ma mère me transmet l'intégralité de son système immunitaire, ce qui est beaucoup mieux que d'accoucher par césarienne, du coup. Et donc, je bénéficie en naissant d'un capital incroyable qui est une expérience accumulée et déjà distillée par les autres. Évidemment, tout ça fait que je suis extrêmement contraint par moi-même. Et donc, du coup, le transhumain va faire en sorte que c'est moi-même qui deviens moi-même ma propre limite, et donc de briser cette résistance interne que j'oppose à mon achèvement. Donc l'individu est la fin de tout, et donc la société n'a de sens que si elle peut servir à me libérer moi-même, de moi-même et des autres. Donc évidemment, le projet politique disparaît en cours de route. Je ne sais pas si vous avez lu La France Big Brother, donc qui était intéressante parce qu'elle dressait un état catastrophique de la façon dont on a été surveillé. Malgré tout, la thèse d'Oberton, qui est de dire, en gros, quand on est trois, il y en a déjà un qui est en trop, parce que forcément, il commence à fliquer les autres, et dangereusement, du côté d'un individualisme forcené, où chacun est un petit Prométhée en puissance et ne doit s'occuper que de lui-même. Donc, voilà, méfions-nous de l'ensemble des critiques, elles ne sont pas toutes particulièrement pertinentes. Les Lumières, voilà, ça nous mène en gros jusqu'au XXe siècle. Et là, au XXe siècle, il y a ce qu'on a appelé la French Theory, enfin ce que les autres ont appelé la French Theory, visiblement, Deleuze, Derrida, Foucault et les autres, où l'idée de déconstruire. Autrement dit, pour le moment, il restait encore un sens, il restait une vision, il restait un corps politique. Et ben, en fait, tout ça est mauvais. Et la déconstruction doit étendre son empire et briser le langage, briser la société, briser les sciences sociales. Bref, et faire en sorte de révéler qu'il y a partout un rapport de force, il y a partout une dominance, il y a partout un dominé et un dominant, et donc le dominant doit abdiquer sa position dominante pour, sinon devenir dominé, en tout cas résilier l'intégralité des rapports de force qu'il entretient, même inconsciemment. Cette déconstruction est intéressante parce qu'évidemment, pour le transhumain, une fois que tout est déconstruit, je peux absolument tout reconstruire. Donc je peux me reconstruire comme je veux, c'est-à-dire en étant justement affranchi des rapports de force qui préexistaient. Ce que nous considérons comme étant des inégalités protectrices ne sont que des choses oppressives. Ce que nous considérons comme une réciprocité de service n'est qu'en fait qu'un rapport de domination caché. Autrement dit, l'intégralité de la théorie politique que nous défendons peut être autrement vue comme étant à chaque fois un fascisme en action qui m'oppresse moi par rapport à ce que j'ai envie de devenir. Donc la société a servi et évidemment, en étant logique avec eux-mêmes, les déconstructivistes finissent par dire que la nature elle-même est fasciste. Parce que si rien ne lie, si rien n'enracine, si rien ne doit s'enraciner, pourquoi être incarné en fait? À quoi ça sert d'avoir un corps? La nature humaine ne doit pas être une évidence, elle ne doit pas être un axiome. La nature, la chair n'est pas le cœur indestructible de notre expérience, et nature et chair en fait ne sont que deux remparts supplémentaires. Chantal Delsol, dans un ouvrage récent, dont je viens fortuitement d'oublier le titre, nous dit « Je pense que nous avons aujourd'hui un programme démiurgique analogue avec la volonté d'égalisation, l'ardeur à supprimer les différences, la récusation des questions existentielles, le défi lancé à la mort avec le post-humanisme, enfin le refus de la finitude de l'imperfection avec cette idée que tout dans le passé était mauvais. » Et c'est exactement ce que nous disent, d'une certaine manière, les transhumains. Si je peux m'épanouir, je dois m'épanouir, et même ce désir d'épanouissement devient ma propre loi. Donc je n'accepte d'être contraint que par moi-même, mais en revanche, cette contrainte-loi pèse fortement sur moi. Et on en arrive à Judith Butler, que vous connaissez, qui est l'un des théoriciens LGBT, qui nous dit qu'elle propose rien de moins que la reconstruction de la réalité, la reconstruction de l'humain. Ce qui est intéressant, c'est une petite parenthèse, c'est qu'on voit que l'intégralité de nos ennemis sont cohérents. C'est-à-dire on a raison de ne pas les aimer, ils ont raison de considérer qu'ils sont nos ennemis, puisque quel que soit le champ social qu'on examine, ce champ de cette culture technique devenue folle, ce champ de la société profondément transformée, ce champ de la famille profondément détruite, à chaque fois c'est cohérent et c'est la même idée qui prévaut, la même idée d'un démiurgique, d'un homme capable de s'accoucher lui-même et sans Dieu.
On va faire une deuxième parenthèse, c'est-à-dire que, alors même qu'on détruit l'idée de nature, voilà, le concept de nature comme étant quelque chose qui est difficile à définir mais qui s'impose à nous par l'évidence, voilà, où malgré tout je vous regarde, vraisemblablement je n'ai pas des lapins, des papillons, des carpes en face de moi, on fait tous partie de la même race, c'est sans doute une chaise, vraisemblablement ceci est une table, voilà. Donc la nature n'existe plus en tant que concept qui me permettrait d'identifier des objets similaires, de constituer des groupes sociaux, elle n'existe plus que comme l'ensemble de la biosphère et du système stellaire. Donc ça, voilà, la nature n'existe plus que comme ça. Mais il y a une chose qui est posée comme naturelle dans le discours des transhumanistes et des philosophes qui gravitent autour d'eux, c'est la volonté permanente d'adaptation et de transformation. Autrement dit, la seule chose qui est considérée comme naturelle, c'est le fait d'aller contre la nature. Mais ça, en revanche, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'évidence pour eux. Ne pas être d'accord avec eux, c'est religieusement effrayant. D'ailleurs, les gens n'en discutent pas. Ils se contentent de vous dire « vous êtes un sale réactionnaire, vous n'avez rien compris au sens du progrès ». Et donc voilà, le fait de ne pas être naturellement pour l'antinature est le seul crime naturel. La tentation démiurgique des Lumières, de la révolution des totalitarismes, est portée à son comble donc avec le transhumanisme. Donc les démiurges veulent façonner un humain. Mais un humain si neuf qu'il s'affranchit de sa propre nature et s'hybride avec n'importe quoi, et surtout, chez les transhumanistes, avec la matière. Il triomphe de la mort, il triomphe de l'enfantement, il triomphe même de la vie, parce que dans son ardeur à nier les différences et à ne promouvoir que l'individu, évidemment, l'émancipation qui devient l'unique vérité incapable d'être discutée mène malgré tout à des cul-de-sac absolument solipsistes. C'est-à-dire, voilà, je veux pouvoir augmenter mes expériences, mais je veux pouvoir être absolument maître des expériences que j'ai, je veux ne pas dépendre des expériences qui m'ont précédé, je veux, si ça se trouve, d'ailleurs, ne pas transmettre mes propres expérience, je veux pouvoir les capitaliser et les enregistrer, ou au contraire, je veux pouvoir m'en débarrasser. Après avoir été carpe, j'ai envie d'être lapin, et bien donc j'oublierai mon vécu carpe pour ne plus être que dans un vécu lapin, en essayant malgré tout de rester moi au passage, ce qui est sans doute compliqué, puisque donc dans l'idée d'une accumulation des connaissances, dans l'idée d'une accumulation des expériences, donc je stockerai ces expériences dans un espace digital dans lequel je piocherai à volonté, mais donc là aussi les transhumains, donc on a l'impression que je dis n'importe quoi, les transhumains parlent d'uploader le cerveau dans un ordinateur. Kurzweil travaille depuis quelques dizaines d'années à reconstituer d'un point de vue informatique son père défunt, et donc pour faire en sorte de pouvoir redialoguer avec lui, et donc considérant que l'intelligence artificielle qu'il aura créée à partir des souvenirs de son père aura en fait la même qualité substantielle que son père. Voilà. Donc à chaque fois, malgré tout, on se dit mais quel est le mode d'emploi qui permet dans ce genre de projet de vérifier que c'est bien toujours moi qui suis en train d'opérer et pas quelqu'un d'autre, ou bien qu'est-ce que j'aurais perdu dans le processus. Bon, les transhumains ne répondent pas à ça. Les transhumains ne répondent pas à ça parce que si le projet est de se transformer perpétuellement, du coup il n'y a pas de souci. Voilà, de même que mes cellules se renouvellent, mes souvenirs se renouvelleront, mes expériences se multiplieront, elles s'annihileront, c'est pas grave, voilà, l'essentiel est de vivre, mais dans une vie, voilà, où étant devenu totalement individu, je n'ai même plus besoin d'être moi-même d'une certaine manière. Bon, évidemment, ce n'est pas exactement comme ça que les transhumanistes présentent la chose. Donc on voit bien que l'égalité face à la mort dans cette histoire va disparaître avec différentes modalités qui sont donc principalement ma capacité financière à m'augmenter d'une façon sécurisée médicalement et sécurisée dans le temps de maintenance. Voilà. Si effectivement j'ai les moyens de me greffer des jambes bioniques, un œil qui me permet de voir comme un aigle, des oreilles qui me permettent d'entendre comme une chauve-souris, et de stocker mes souvenirs et de régulièrement de changer de matos, d'avoir une maintenance, de ne jamais être infecté par aucune des opérations, c'est effectivement, ce sera bien. Il y a quand même des chances que ça me coûte assez cher. Kurzweil lui-même, qui se dope à coups de pilules chaque jour, dépense quelques milliers de dollars chaque jour dans ses traitements alimentaires. Pourquoi est-ce que je vous parle beaucoup de Kurzweil? Donc Kurzweil a été embauché par Google pour diriger l'université de la singularité, qui est le grand temple du transhumanisme dur, du posthumanisme matérialiste. Donc évidemment, Kurzweil, en ce moment, est en train d'influencer la politique de Google en matière d'achat de sociétés spécialisées dans l'intelligence artificielle, l'acquisition de données digitales, l'acquisition de données auditives, l'acquisition de données visuelles, et d'une façon générale, dans tout ce qui tourne autour de de ce qu'on appelait auparavant la cybernétique. Donc, les transhumains nous expliquent que chacun se conçoit seul et que chacun va pouvoir aller au bout de lui-même, mais
en oubliant quand même quelque chose qui est le fait que les transhumains dépendront de tous ceux qui produisent les extensions, de tous ceux qui produisent les ordinateurs, de tous ceux qui produisent les interfaces. Sous prétexte de transformation personnalisée, il y a en fait une convergence économique, financière et commerciale de l'ensemble des dispositifs. Et à défaut de m'appartenir à moi-même, j'appartiendrai certainement à tous ceux qui produisent l'ensemble des dispositifs dont je prétends m'augmenter. Donc j'augmenterai certainement le chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés qui produisent les choses. Je m'augmenterai peut-être au passage, mais surtout je ne m'augmenterai que dans la mesure où je piocherai dans le catalogue des dispositifs disponibles. Donc je ne peux m'augmenter qu'à condition qu'un marché ait été repéré pour les ailes de papillon ou pour les nageurs de carpe. Voilà. Si jamais j'ai envie d'avoir une queue d'hippocampe et qu'on considère que c'est peanuts, je n'aurai jamais ma queue d'hippocampe. Donc d'où ça vient, on l'a un peu vu. Voilà, où ça va, je vais me permettre de vous donner une autre petite récréation. En espérant que ça marche. Voilà, ça c'est la société Boston Dynamics, qui était une société qui avait acheté par Google en 2013, au moment où Google, donc en même temps qu'il investissait dans l'intelligence artificielle, investissait aussi dans la robotique et l'intégralité des systèmes d'acquisition possibles. Donc vous aurez compris que c'est un robot humanoïde qui est en train de marcher. Cet homme est méchant avec ce robot. Mais c'est exactement ça. C'est assez amusant parce que donc une partie des gens comme moi qui sont vieux et méchants avons surtout été intéressés par les capacités de préhension et de déplacement du robot. Et par contre, les âmes sensibles se sont émues de l'attaque violente et du mépris avec lequel ce robot était traité. Donc Boston Dynamics a reçu plusieurs plaintes de la façon dont on osait traiter le robot. Donc ce qui est intéressant, parce que quand on dit qu'on y est déjà, c'est-à-dire dans le fait de s'interfacer avec des robots, si des gens sont assez neuneux pour considérer que le fait de frapper un robot est quelque chose de pas cool, comme frapper un chien, frapper quelqu'un, on est déjà dans une conception d'une humanité qui excède largement la façon dont on avait de considérer que nous existions en tant qu'hommes, qu'il y avait les machines à côté, et qu'après tout, si le grippin tombe, le grippin n'est pas un être sensible, et il a le droit de souffrir en tant que grippin sans que je me sente coupable. Là, avec le robot de Boston Dynamics, non. Lorsqu'il y a eu deux effets amusants, donc d'une part, les gens se sont rendus compte que les robots de Boston Dynamics étaient en fait horriblement flippants, et donc une partie a été émue de chrétienne compassion pour le robot, mais une autre partie ont considéré que c'était vraiment... Ça commence à sentir le caramel et Google a décidé de revendre Boston Dynamics et donc de ne pas continuer avec eux. Donc en partie d'ailleurs sans doute parce que Boston Dynamics avait des rapports compliqués avec Google et refusait la transmission de certaines transmissions de données. Donc là où ça va ? C'est-à-dire ça va là, c'est-à-dire que une partie des choses qui paraissaient être impossibles pour ceux qui suivent Boston Dynamics, il y a deux ans, ils avaient fait courir un chien. On avait l'impression d'être dans Fahrenheit 451 avec le robot chercheur qui tue les gens qui rôdent dans les rues. Et enfin, c'est lui qui rôde et il tue les promeneurs innocents dans le roman. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Et donc là, il y avait ce robot à quatre pattes qui courait. C'était là aussi particulièrement inquiétant. Mais alors là, carrément, le robot qui marche dans la neige en regardant les arbres, on est allé loin. Aujourd'hui, que produisent les NBIC? Elles produisent des implants neuroélectroniques pour réguler l'appétit. Elles produisent des implants neuroélectroniques pour réguler le comportement, les addictions, stimuler l'attention, doper les capacités cognitives. On peut modifier les souvenirs par optogénétique. Des puces RFID sous-cutanées permettent d'accéder à un certain nombre de données ou de servir de passe magnétique pour pénétrer dans certains endroits.
Il y a des prothèses de membres qui sont commandées par le cerveau. Il y a des implants cochléaires et des rétines artificielles. Les implants cochléaires, c'est ce qui concerne la surdité. Il y a des exosquelettes, il y a des interfaces neuronales, il y a du séquençage ADN, il y a du séquençage génétique des embryons, il y a de l'ingénierie tissulaire et organique, on peut faire pousser de la peau, il y a des dispositifs de réalité augmentée, il y a des objets connectés, il y a la big data, il y a l'intelligence artificielle, il y a même des intelligences artificielles qui deviennent racistes en 24 heures, comme vous l'avez suivi récemment. Voilà, autrement dit, on est très content parce que Microsoft, d'une certaine manière, s'est pris un vent, mais en même temps, c'est absolument formidable et absolument terrifiant. Cette intelligence artificielle est capable de devenir raciste en 24 heures. Donc, autrement dit, cette intelligence artificielle était extrêmement réussie. Elle est tombée sur des gens qui avaient envie de lui apprendre n'importe quoi. Mais en 24 heures, elle a réussi à magnifiquement apprendre n'importe quoi et à réagir toute seule et à répondre d'une façon admirable à ceux qui lui demandaient de dire n'importe quoi. Donc autrement dit, d'une certaine manière, d'un point de vue politiquement correct, c'est un fail, mais du point de vue de l'intelligence artificielle, j'ai oublié le nom de la jeune intelligence artificielle, Tail ou un truc dans ce goût-là, est une réussite incroyable. Et où ça va ? Donc ça va vers le fait d'être passé d'une médecine qui soigne à une médecine qui répare, la mort étant la panne ultime qui résiste. Donc cette convergence NBIC, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de techniques qui sont donc les neurosciences, les nanotechnologies, plutôt on va commencer par les nanotechnologies, donc autrement dit faire en sorte d'usiner des machines extrêmement petites. Il y a déjà des nanoparticules, il y a déjà des nanotechnologies qui sont à l'œuvre. Certains fabricants de chaussettes mettent des nanoparticules d'argent dans les chaussettes, puisque l'argent étant réputé être un microbicide, ça supprime les mauvaises odeurs. Le B, c'est pour la biologie moléculaire. Vous avez sans doute suivi dans l'actualité scientifique. En matière de biologie moléculaire, on était capable aujourd'hui d'usiner finement les ADN avec une technologie qui s'appelle CRISPR et qui permet en fait de séparer des fragments d'ADN et de remplacer le fragment qui a été subtilisé par un fragment sain pour reprogrammer la cellule. C'est quelque chose qui marche très bien, très facilement. Les Chinois en ont profité pour déjà bricoler quelques embryons humains, qui hélas n'étaient pas viables. Après le bricolage, en tout cas. Le I, c'est l'intelligence artificielle. On vient d'en parler. Donc l'intelligence artificielle, c'est le fait de mimer le comportement humain avec plusieurs types d'intelligence artificielle sont plus ou moins capables de mimer plusieurs choses. On mime admirablement bien la mémoire. On mime tellement bien la mémoire, d'ailleurs, que la mémoire d'une intelligence artificielle est incomparablement supérieure à la mémoire du cerveau. Après ça, il y a d'autres choses qui sont à mimer dans le cerveau, comme la capacité à prendre des décisions avec un très faible nombre de données. Par exemple, je tombe amoureux. C'est une décision que j'ai prise avec un très faible nombre de données. Un résultat généralement très aléatoire. Et voilà. Donc là, pour le moment, les intelligences artificielles n'en sont pas là. Mais on continue à aller dans cette direction, c'est-à-dire faire en sorte que d'introduire de la logique floue, d'introduire de la capacité d'apprentissage. Ce qu'on appelle le deep learning, c'est que les machines sont capables d'être apprenantes, c'est-à-dire en fait, au fur et à mesure qu'elles reçoivent des données, elles sont capables de les organiser. Donc la machine qui a gagné récemment contre un joueur de Go était ainsi formatée selon ces principes qu'on appelle du deep learning. Vous aurez la gentillesse de ne pas me demander de vous les expliquer. Évidemment, je ne les connais pas et je n'y comprends rien. Mais c'était des intelligences artificielles, donc qui n'étaient pas juste dans l'augmentation des capacités mécaniques, si je veux dire arithmétiques, du stockage des données, qui étaient véritablement dans la capacité à avoir des schémas d'apprentissage. Et le C, donc, c'est pour ce qu'on appelle les sciences cognitives, autrement dit, dire comment est-ce que le cerveau fonctionne. Et évidemment, plus on comprend comment le cerveau humain fonctionne, plus l'intelligence artificielle est capable de mimer ce cerveau, plus les nanotechnologies sont capables, à terme, d'embarquer des ordinateurs réduits dans des instruments minuscules, et plus la biologie moléculaire nous permet de faire en sorte de programmer un nanorobot intelligent en fonction d'une tâche qu'on lui aura donnée, mais qui sera capable de réagir avec son environnement. Donc là, c'est la convergence NBIC qui, dans les faits, n'existe pas. On n'a pas encore de nanorobot particulièrement intelligent capable de rentrer et de réparer ma moelle épinière si tant est qu'elle était endommagée. Mais à terme, on voit bien que toutes ces technologies forment un ensemble où on essaye de maîtriser le vivant quasiment au niveau atomique. Et de faire en sorte qu'à chaque fois, je puisse manipuler l'humain comme je manipule une matière première. Cette transformation, évidemment, elle n'est pas que dans le fait de
de réparer. On a vu tout à l'heure avec le premier exemple, voilà, que il y a des nains, il y a des gens qui sont nés sans mains, sans bras, il y en a qui sont devenus aveugles, d'autres qui sont devenus manchots. Donc évidemment, on est capable d'imaginer des prothèses qui permettraient de réparer complètement l'homme. Alors pour le moment, il y a un delta incroyable entre ce qu'on nous montre, voilà, un type qui arrive à bouger deux doigts mécanique par la seule force de sa pensée, et ce qu'il aimerait sans doute faire, c'est-à-dire attraper une tasse de café et la boire. Donc là, on n'y est pas encore, mais on voit bien qu'on est passé d'un humain abîmé, cassé, à un humain restauré. Mais pourquoi pas aller plus loin, c'est-à-dire effectivement, donc à défaut d'être une carpe et un lapin, comme je le disais d'une façon si drôle, on peut désirer avoir un œil avec un implant rétinien qui me permet de voir, mais du coup je peux augmenter, si je veux dire, les capacités de cet œil. Je peux très très bien faire en sorte que les capacités que la puce qui est mon implant rétinien, me permettent de voir dans un premier temps. Et là, pour le moment, effectivement, certains aveugles arrivent à distinguer des choses. Et au fur et à mesure, et selon les transhumanistes, évidemment, et comme d'habitude, avec tous les progressistes, ce n'est qu'une question de technique, ce n'est qu'une question de temps, et on finira par y arriver. Et autrement dit, le chemin est tracé, et il y a que des broutilles techniques qui sont à régler. Au fur et à mesure, je pourrais, par exemple, enregistrer ce que j'ai vu. Je pourrais augmenter le spectre, c'est-à-dire je pourrais me doter d'une vision infrarouge ou ultraviolet. Je pourrais avoir une vision de nuit. Voilà. Et donc peu à peu, et après tout pourquoi pas, peu à peu je déplace le curseur et donc je vais aller loin. Donc quand il s'agit de voir comme ça loin, à la limite pourquoi pas. Mais ce que nous disent les gens transhumains, c'est par exemple Daniel Cohen, généticien. Je crois en la possibilité d'une nouvelle évolution biologique humaine consciente et provoquée, car je vois mal l'Homo sapiens attendre patiemment et modestement l'émergence d'une nouvelle espèce humaine par les voies anachroniques de la sélection naturelle. Donc ça, on voit bien le côté vraiment prométhéen, le côté vraiment démiurgique, c'est-à-dire puisqu'on sait faire, et en fait on ne sait pas faire, mais puisqu'on croit qu'on sait faire, autant le faire, autant faire advenir une nouvelle humanité, comme si d'ailleurs l'humanité dont tout le monde nous dit que c'est un chemin qui était programmé, c'est une magnifique succession de hasards heureux, ou au contraire on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'informations à l'intérieur de la matière informée, comme le disaient donc évidemment pas des transhumains, mais plutôt des gens comme Trémontant, donc cette évolution qui nous amène là où nous sommes et donc dont on reconnaît la pertinence, on a envie de la précipiter, on a envie de l'accélérer, on a envie de l'emmener quelque part. Et ceux qui ont envie de le faire, ce sont par exemple les gens du Parti Socialiste, comme Corinne Narasiguin, qui nous dit « Les socialistes doivent réfléchir et débattre de cette nouvelle étape de l'évolution humaine pour redéfinir ce qu'est l'humanisme au XXIe siècle. Ne nous l'aurons pas. Si une avancée technologique est possible, quelqu'un la mettra en œuvre, que nos sociétés y soient prêtes ou non. » Quand on constate notre incapacité à organiser un débat intelligible et apaisé sur la GPA, pratique issue d'une technologie médicale vieille de plusieurs décennies, on peut s'inquiéter de notre capacité à préparer la société française aux débats éthiques nécessaires sur ces nouvelles technologies de l'humain. Voilà. Donc le côté prométhéen est marqué, le côté prométhéen est net. Ces gens-là veulent faire advenir une nouvelle humanité où il ne s'agit pas seulement d'être réparé, il s'agit d'être transformé et il s'agit surtout de performer. Voilà. La grossesse me gêne, utérus artificiel. Je n'ai pas d'enfant, GPA. Alors la GPA est un peu loin du transhumanisme. Mais malgré tout, on voit bien que là aussi, qu'il y a l'idée que j'ai une mécanique vivante à ma disposition qui est la femme à côté de moi. La femme à côté de moi, elle a un utérus en bon état de marche. Donc je peux louer cet utérus. Après tout, c'est logique, je ne suis qu'une machine. Kurzweil le dit, enfin, les philosophes comme Lemaître le disaient, mais Kurzweil l'assume. Je ne suis qu'un ensemble techniquement complexe, mais dont la complexité est somme toute assimilable par l'esprit humain. Et donc je peux louer un ventre, de même que je loue des bras, comme dirait Berger, et je peux, pourquoi pas, après tout, vous acheter un rein, si tant est que vous ayez plus besoin d'argent que votre rein. Donc il s'agit de performer, c'est-à-dire il s'agit d'avoir le meilleur utérus disponible. Donc pour le moment, c'est celui de la femme qui est à côté de moi, voilà, qui à défaut d'être le meilleur, en tout cas, me permettra, moi, d'éviter d'abîmer le mien.
On est bien d'accord, quand je dis je et moi, c'est une figure de style. La façon dont, d'ailleurs, elle va parfois mal utiliser cet utérus, c'est-à-dire en portant un enfant trisomique, bah, ce n'est pas grave, c'est un défaut de fabrication. On va éliminer le trisomique, soit on l'élimine au moment où on s'en rend compte, soit on l'élimine si on s'en rend compte suffisamment tôt, soit on l'élimine après. Les tests qui permettent aujourd'hui de vérifier que l'enfant est trisomique sont extrêmement efficaces. Comme vous savez, voilà, 97% des trisomiques détectés sont tués. Donc il y a un eugénisme généreux, comme disait Anne Sinclair, qui est en train de se mettre en place, qui est l'eugénisme d'ailleurs dont parle Luc Ferry, en expliquant que quand on dit eugéniste, on pense aux nazis, mais en fait non, voilà, il faut penser aux autres eugénistes, qui sont des gens plus sympas. Et donc il y a l'idée de performance qui est « je suis plus », mais déjà à défaut d'être plus, je vais faire comme tous les révolutionnaires, je vais éviter d'être moins. C'est-à-dire, à défaut de faire advenir l'homme nouveau, je vais tuer l'homme ancien. Et donc, le transhumanisme est pour la correction des défauts. Donc, les défauts qui sont les déviants médicaux, les déviants sanitaires, les déviants intellectuels. Donc, et je suis aussi, évidemment, dans la sélection de ces défauts. Et donc, dans la sélection des qualités. Donc, le séquençage génétique et l'ingénierie des naissances assistées me permet de choisir le sexe de mon enfant, la forme de son crâne, la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, son intelligence, ou en tout cas, je prétends être capable de dire je suis capable de diriger, car je connais un peu les lois de la génétique, en disant voilà, il y a de fortes chances que, effectivement, votre enfant soit grand, dolicocéphale et blond, ou au contraire, que votre enfant soit grand, dolicocéphale et noir, ou que votre enfant soit petit, bedonnant et vert, parce que voilà, c'est ce que vous avez choisi. Et donc l'avortement et les techniques de procréation assistée permettent déjà d'usiner le corps humain de façon à obtenir une autre humanité. De même que, inversement, et à l'autre bout de la chaîne, l'euthanasie permet d'évacuer le faible, le malade, le vieux, l'incompétent, le non-performant, celui qui ne veut plus performer, est éliminé du jeu social. Avec donc une amélioration permanente de l'individu et de la race. Pour les transhumanistes, la toute-puissance technoscientifique, quasi divine, la fabrication d'un homme augmenté, par opposition ou diminué, est légitime. Il est légitime que de produire une créature artificielle sur un substrat organique, qui est le corps, mais le corps de plus en plus évanescent, de moins en moins présent, de plus en plus transformé, de plus en plus électronique et de plus en plus contrôlable et pilotable à distance. Ce qui fait qu'à la limite, je suis à l'intérieur d'un corps qui peut-être se dégrade, mais à côté de ça, j'ai cet super ordinateur qui me permet de capitaliser sur l'ensemble de mes expériences. On va passer tout de suite à la troisième partie. Voilà. Juste une dernière petite citation d'un neurochirurgien grenoblois. Avec les électrodes et les implants cérébraux, donc toujours sur cette thématique de la performance, on peut changer la personnalité de quelqu'un qui est anormal pour la remettre dans la normalité. On peut faire passer des gens d'un état suicidaire à un état jovial. Faut-il en conclure qu'on peut manipuler les gens et les faire marcher au pas cadencé? Certes, mais on les fait tellement marcher au pas cadencé déjà par d'autres moyens. Donc voilà, ce neurochirurgien, c'est exactement ce dont il est capable. Mais ce qui l'intéresse, lui, c'est que les gens sont capables de lui acheter cette manipulation neurochirurgicale, cette manipulation neuronale, en étant clairement conscient qu'ils s'implantent volontairement, ou ils se font implanter volontairement, la puce qui leur permettra de réguler leurs humeurs. Et là aussi, d'une certaine manière, il est compliqué d'expliquer. Si on est d'accord sur l'homme, sur le fait que l'homme est une machine, si on est d'accord sur le fait que le corps et l'esprit sont deux choses différentes et non pas deux façons de désigner le même individu, pourquoi diable ne me menterais-je pas? Pourquoi est-ce que je me ferais chier à prendre du Xanax alors que, en fait, voilà, avec un implant, je régule mes humeurs et je peux même, d'une certaine manière, doper mon agressivité juste avant d'aller négocier mon contrat commercial et doper autre chose avant d'autres situations. Malgré tout, c'est un progrès, c'est un projet qui est utopique. Il y a chez les transhumanistes, évidemment, ce récit d'un progrès continu, matinée de douceur,
qui est exactement la façon dont on nous raconte l'émergence de la machine à vapeur, l'arrivée de la machine-outil, etc. Où c'était vraiment exactement la façon dont les progressistes de l'époque nous racontaient le fait que la vapeur allait transformer l'homme et faire en sorte de supprimer les tâches serviles. On a vu ce que c'était que l'industrialisation du 19e siècle. La façon dont l'électricité était censée, là aussi, être un bonheur incroyable qui nous amènerait rapidement à la semaine de 15 heures. Je ne mens pas, c'est dans les textes de l'époque. Donc on a vu comment ça marche. Qu'ils nous ont expliqué que le nucléaire allait libérer l'homme comme jamais. Donc voilà, pour le moment... on a vu effectivement que les centrales nucléaires, quand elles n'explosent pas, c'est bien, mais que on a des déchets qui durent 1000 ans, dont on ne sait pas quoi faire, et quand en plus elles explosent, voilà, généralement ça marche mal, et que en fait il est maintenant avéré que le nuage de Tchernobyl a effectivement survolé la France, et que les eaux japonaises sont effectivement polluées. Donc à chaque fois, on nous présente un récit qui est un récit merveilleux d'un développement inaltérable où le progrès va arriver. Et faire en sorte de ne générer que des solutions sans générer aucun problème. Et ces problèmes sont censés être juste dans l'enfance de l'art, des petits détails qu'on va pouvoir régler. Et, par exemple, prenons la matière plastique comme un bien le faire Pierre Delacôte. Donc la matière plastique était la matière progressiste par excellence, voilà, née du pétrole, inaltérable, sans odeur, sans saveur, ça ne se casse pas, ça se lave autant de fois que je veux, et résultat maintenant, on est envahi de déchets plastiques sur l'intégralité de la planète, on ne sait pas comment s'en débarrasser, les océans sont souillés, les lapins en souffrent, les dauphins en meurent, les baleines en sont gênées, enfin voilà, les oiseaux crèvent, voilà. Donc on voit bien que là, pour le coup, on a produit du plastique sans maîtriser absolument les effets secondaires de ce plastique. Et ça, c'est un des cul-de-sac du progrès. Mais on peut parler d'autres choses. On peut par exemple parler de la génétique. Au moment où Aldous Huxley imagine le meilleur des mondes, on est dans les années 30, et déjà, la génétique est connue, et déjà, on peut préfigurer ce que sera la génétique. On est en 2016. Est-ce qu'il y a une seule thérapie génique qui a permis de guérir la mucoviscidose? Est-ce qu'il y a une seule thérapie génique qui a réellement été industrialisée de telle sorte qu'on soit capable de guérir une maladie? Non. Voilà, pour le moment, on progresse. Et à chaque fois, on nous annonce que les progrès sont énormes. À chaque fois, on nous annonce qu'on vient de percer une barrière. Et c'est vrai, effectivement, on a percé une barrière. Mais en revanche, on est incapable d'industrialiser d'une façon sociale, c'est-à-dire à un coût raisonnable, l'efficacité de la chose. On est même d'ailleurs incapable de prouver que la chose est efficace. On en pressent les possibilités, mais là, ça fait quand même près de 80 ans qu'on en pressent les possibilités. Au début du XXe siècle, on expliquait que les météorologues faisaient des avancées incroyables sur la compréhension du climat. C'est vrai. Mais enfin là, en 2016, on est toujours incapable, à 24 heures près, de savoir exactement où il va pleuvoir, et on n'a pas été capable de prévoir les gels qui viennent de ravager les vignes du côté de Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Et il y a comme ça un certain nombre d'avancées scientifiques qui sont très réelles, mais qui pour autant ne débouchent jamais sur l'utopie sociale qu'on nous garantissait. Elle ne débouche jamais sur le contrôle de la nature qu'on nous garantissait. Et donc là, pour le moment, on a l'impression que les transhumanistes, dans leur rêve de transformation profonde du corps, sont dans la même illusion. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est riche de possibilités absolument incroyables. En revanche, la capacité à transformer ces possibilités en un produit réaliste n'existe pas. La capacité à faire en sorte que la société soit réellement transformée par ces techniques n'existe pas. On pourrait toujours parler de la longue litanie d'erreurs mortelles, hein, genre avec les gaz à effet de serre, les métaux lourds, qui nous valent une épidémie de maladies neurodégénératives, la régulation des naissances avec les pilules et l'avortement. Donc l'avortement, on sait ce que c'est, mais on voit ce que d'un point de vue démographique, ce que ça donne, on n'avait pas escompté. La pilule, on commence à considérer enfin que les pilules de 3e et 4e génération avaient en fait des effets désastreux sur l'ensemble du métabolisme de la personne qui la prenait. Donc l'adaptation forcenée, qui est le credo du transhumanisme, pour se faire advenir autrement, je m'adapte à une seule contrainte, qui est en fait la contrainte technologique, parce que je considère que la technologie est bonne, que la technologie est neutre, en fait, à chaque fois, fait l'impasse sur les nuisances possibles qui vont être engendrées systématiquement parce que la technologie apporte. Les transhumanistes tombent comme d'habitude dans l'erreur du progressisme qui considère que la technologie est neutre, et donc c'est la société qui est mauvaise et qui fait en sorte que la technologie ne soit pas acceptée. Mais pas du tout. Voilà, quand on regarde, voilà, le plastique est effectivement imputrescible. Mais donc du coup, il y a un moment donné, il faut se débarrasser du plastique. Donc c'est pas la société qui en a produit trop. C'est que de toute façon, on n'avait pas raisonné l'imputrescibilité du plastique. On l'avait considéré comme une qualité parce qu'on n'était pas dans, la pensée du déchet. En fait, ce sera quasiment la conclusion, il y a quelque chose dans la technologie qui est déjà et encore un rapport de domination, qui est déjà et encore un rapport de force.
Et donc, en fait, dans cette façon de considérer le progrès, il faut toujours, non pas opposer les partisans et les opposants du progrès, dire ceux qui veulent la tour Montparnasse et ceux qui ne la veulent pas. Dire, aujourd'hui, d'ailleurs, on parle beaucoup moins des opposants de la tour Montparnasse, et on parle beaucoup moins de ceux qui voulaient la tour Montparnasse, mais déjà, à l'époque de la tour Montparnasse, qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire être une horreur, les tenants de la tour Montparnasse étaient les tenants du progrès, et les opposants de la tour Montparnasse étaient évidemment les villes suppôts de la réaction. Donc maintenant, les villes suppôts de la réaction sont en train de gagner. Voilà. Mais donc, du coup, pour justifier la façon dont on va bousiller la Samaritaine, on nous dit, voilà, ceux qui refusent la Samaritaine sont ceux qui refusaient le cheval vapeur et qui considéraient que la Terre... que le soleil tournait autour de la Terre. Donc à chaque fois, les progressistes imaginent une histoire du progrès qui n'est faite que de victoires, qui est dans un seul sens, dans une seule dimension, et évacue tous les problèmes, et évacue tous les problèmes à venir, évacue même les problèmes présents. Donc en fait, il y a des partisans et des opposants de la technique. Et même, il y a surtout ceux qui prétendent que les techniques sont neutres, que le progrès, et que le progrès technique pour eux est un dogme. Et il y a ceux, au contraire, qui considèrent que dans le progrès, et surtout dans le progrès technique, il y a une domination et il y a un instrument de pouvoir. Et ça, pour le moment, les transhumanistes soit font l'impasse, soit l'assument. S'ils font l'impasse, c'est vraiment dommage, parce que, par exemple, un aéroport peut effectivement être une bonne chose. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est forcément une mauvaise chose. Voilà. Pourquoi ? Non pas que l'aéroport soit mauvais en soi, mais un aéroport dont on sait qu'économiquement il ne tiendra pas la route et que de toute façon il ne rendra pas les services qu'il est censé rendre et que de toute façon il est fondé sur des technologies et des façons de considérer l'aviation qui datent des années 60, a de toutes les chances d'être un mauvais aéroport. Donc on peut le dire sans être ni un zadiste ni un technophobe. Mais et on n'est pas, on peut aussi ne pas soutenir l'aéroport sans pour autant être un technophile perverti. Qu'est-ce qui se passe quand les transhumanistes assument tranquillement la position ? D'abord, un tout petit intermède, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Ça me gênerait de ne pas vous le dire. Donc c'est François Jarige, qui est un gauchiste très sympathique, historien des sciences, qui a publié un très bon bouquin aux éditions de La Découverte, justement, sur les technophobes. À cette époque, il parle du 19e, le machinisme est mis en cause par les socialistes comme par certains milieux conservateurs qui pointent les conditions de travail en usine, le risque d'épuisement des ressources naturelles, la pollution. À l'opposé, un nombre croissant d'ingénieurs et d'économistes libéraux font de la machine un instrument d'émancipation neutre, source du progrès. Ce sont eux qui gagneront la bataille des esprits jusqu'à ce qu'une guerre ou une crise n'apporte de nouvelles remises en question. On peut même dire que les socialistes, avec le syndicalisme, ont transformé la machine en outil d'émancipation, alors qu'au début, ils étaient contre la machine, et où finalement, et notamment, on voit bien dans la geste communiste, l'accord viril avec la machine et la façon dont l'ouvrier manipule des grandes roues dentées prouve son excellence au travail par rapport au malheureux paysan qui n'est qu'une femelle qui attend que la nature lui donne des ordres et qui les reçoit passivement. Donc on voit bien le socialisme a basculé du côté du machinisme. Alors que l'histoire montre que les techniques sont des objets sociaux et non des inventions géniales que l'on adopte parce que leurs bienfaits sont évidents ou naturels. Donc les transhumanistes, eux, ont très clairement deux façons de présenter les choses. Les gens de technoprog, donc les transhumanistes français, qui expliquent qu'ils sont des transhumanistes de gauche sympas, disent non, effectivement, il faut éviter d'être de sales matérialistes athées et on va faire en sorte que tout le monde puisse partager tout ça. Alors, il y a juste une limite industrielle et financière, c'est-à-dire... produire des dizaines d'objets connectés et produire de quoi transhumer ou transhumaniser l'intégralité de l'humanité coûte une somme absolument folle dont on n'imagine pas que un État soit capable de le produire tout seul. De toute façon, un État n'est financé que par les impôts qu'il prélève sur les sociétés privées. Donc, ça veut dire qu'il y a des sociétés privées qui accepteraient de financer, et non pas à perte, la transformation de l'intégralité de l'humanité. Donc là, il y a une complexité financière et industrielle que les transhumanistes laissent de côté pour le moment. Parce que ça demande beaucoup de soins, ça demande beaucoup d'énergie. Voilà, la pile d'un pacemaker doit être changée tous les 3 ans. Donc vous imaginez, une fois que j'aurai la queue de l'hippocampe et les ailes du papillon, enfin voilà, le rythme
de changements auxquels je serai soumis. En ce moment, on fait des cœurs artificiels qui sont capables de communiquer par Wi-Fi avec une machine, mais donc là aussi, c'est-à-dire que j'ai une pile à l'intérieur de mon cœur artificiel qui est une machine, un objet connecté, une machine communicante qui permet effectivement, soit par le biais de mon application smartphone, soit directement par un autre type de relais, de communiquer l'état de mon cœur à mon médecin. Très bien, mais donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une machine, il y a quelqu'un qui est en train de maintenir le réseau. Donc la maintenance de la chose est absolument incroyable. Et donc là aussi, il y a une limite énergétique. C'est-à-dire la consommation d'énergie de l'intégralité de ces objets connectés est juste prodigieuse. Donc le fait de dire je vais m'équiper de capteurs et donc je vais augmenter mes expériences, très bien, mais qui capte quoi, pour le stocker où et qui paye l'énergie? On va arriver peu à peu au transhumaniste convaincu et cohérent. Donc pour qui, effectivement, qui savent que les data centers sont des gouffres énergétiques, mais qui ont les moyens. Donc en fait, il y a les transhumanistes, donc ont socialement compris qu'il fallait être riche. Donc les transhumanistes de la Silicon Valley le sont. Le fondateur de PayPal, donc Google, Apple, etc. Enfin, celui qui a fondé Google, celui qui a fondé Facebook, ceux qui sont en train de diriger Apple, sont des transhumanistes convaincus et qui effectivement considèrent que les riches peuvent utiliser leur richesse pour se prolonger, pour devenir autres ou pour être eux-mêmes plus longtemps, pour être eux-mêmes mieux que les autres. Et que ça a un coût et que c'est légitime. En même temps, ils proposent aussi de se passer des États. Et donc, ils ont un projet de construction d'un État indépendant qui flotterait dans les eaux internationales et qui leur permettrait d'avoir leurs propres lois. Donc, eux ont très très bien compris que le transhumanisme n'était pas un humanisme. Que le transhumanisme n'est pas du tout quelque chose qui va permettre de sauver l'intégralité de l'humanité de la maladie et de la mort. Ils ont très très bien compris qu'en fait, il y avait des riches, il y avait des pauvres, que les riches pourront se payer ce que fabriqueront les pauvres, que les pauvres d'ailleurs seront réduits à des tâches horriblement serviles, parce que ce sont des machines savantes qui construiront d'autres machines savantes, et eux seront juste censés vaguement concasser des cailloux à un moment donné pour faire en sorte de nourrir on ne sait pas quoi, et ils ne serviront qu'à ça. Mais Sylvie Allouche, donc philosophe française, dit « Nous n'avons pas à plaindre les habitants du meilleur des mondes, très heureux puisqu'adaptés. Notre jugement sur ce qui est bon et digne est paternaliste et colonialiste. » Autrement dit, le transhumaniste de gauche, sympa, a déjà imaginé que de toute façon, le fait de considérer qu'il y ait des esclaves est méchant vis-à-vis de l'esclave qui a choisi d'être esclave. Et donc, le fait qu'on ait décidé de l'usiner esclave avant même qu'il ne naisse, le fait qu'il ne soit qu'un projet génétique comme dans le meilleur des mondes, en même temps, c'est un bonheur parfait qu'on lui a accordé, qui est le bonheur de n'être que lui-même et de ne même pas avoir conscience qu'il est limité. Il est très exactement rempli d'un lui-même qui est à ses dimensions. Sans vouloir être blasphématoire, pour ceux qui sont catholiques, vous savez, on se dit toujours, bien sûr j'irai au paradis, mais je ne suis pas certain d'en jouir véritablement autant que Sainte Catherine de Sienne ou Saint François de Sales, parce que eux quand même, et voilà. Et du coup notre petit côté égalitaire est légèrement gêné, on dit mais comment se fait-il que je sois dans la félicité du paradis et que j'en jouisse autant que Saint François de Sales, parce que bon, c'est bien normal que j'en jouisse, mais quand même autant que Saint François de Sales, ça me gêne un peu. Et l'une des réponses, c'est de dire que nous sommes tous remplis de la grâce divine, exactement comme des contenants en verre sont remplis de lumière. Évidemment, si vous êtes de la taille d'une fiole, pendant que Saint François de Sales est de la taille d'une cathédrale de verre, bah, il est rempli de lumière, mais il en a un peu plus que vous, mais chacun de nous est rempli à satiété. Voilà. Donc eh ben, les transhumanistes considèrent voilà, il y a les nains, il y a les gammas, il y a même les deltas, c'est une sous-race, une sous-humanité, mais elle est parfaitement contente, puisque voilà, elle est adaptée à sa condition. Donc on est dans un transhumanisme qui, d'un point de vue théorique, en fait, fonctionne mal. Voilà, les problèmes de la complexité de la chimie du cerveau, en fait, ne sont pas du tout résolus. Les problèmes de la complexité de l'analyse des données ne sont en fait pas du tout résolus. On est dans un transhumanisme qui a des limites financières, qui sont soit cyniques, ben oui, il y aura que des riches et des pauvres, soit juste utopiques. Non, c'est pas grave, on finira bien par trouver un moyen pour que tout le monde soit riche. Le truc qui n'a jamais marché depuis l'aube de l'humanité, qui ne marche toujours pas, voilà, où on a un lumpen prolétariat qui existe un peu en France et qui est surtout dispersé dans les pays en voie de développement. On a une limite industrielle, les capacités, et on a évidemment une limite sociale. L'acceptabilité n'est pas possible. Donc le transhumanisme n'est véritablement pas un humanisme. Est-ce que j'ai encore une citation cool à la fin ou pas ?
Oui. Une citation d'Yves Cazot, qui est informaticien, qui est intéressant. Yves Cazot est en ce moment chef de la Digital Agency d'AXA. Donc c'est lui qui imagine les expériences digitales pour l'ensemble du groupe AXA. À côté de ça, il a été directeur des services informatiques d'Orange. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui sait exactement ce que c'est, comment marche l'informatique. Et c'est quelqu'un aussi qui est spécialiste du lean management, pour ceux que ça intéresse. Donc d'un point de vue scientifique, l'homme a une capacité naturelle, grâce aux neurones miroirs, à éprouver les émotions de la personne en face de lui. Nous sommes construits ainsi. Nous sommes fabriqués pour aller à la rencontre de l'autre. Il s'agit d'une partie de nos neurones que l'on active pour sentir ce qu'est en train de faire l'autre. Les découvertes des 20 dernières années nous montrent que nous sommes des animaux relationnels. Rien ne me prouve que je conserverai cela dans les manipulations des transhumanistes. Si je crée une nouvelle espèce, vais-je garder cette empathie? Et une société peut-elle fonctionner sans cette empathie? Donc pour la faire bref, nous existons, nous ne sommes pas un corps distinct d'une âme, nous sommes un corps et une âme, et absolument mêlés. Tout ce que dit la science, c'est que justement on n'est pas capable d'établir cette dichotomie, et que entre le moment où je perçois, le moment où je comprends, et le moment où je décide d'agir, justement on n'est pas capable d'isoler réellement ces moments. On est capable intellectuellement de décider qu'il y a plusieurs moments, mais dans la façon dont mon œil voit et dont ma main bouge, là, pour le moment, on ne sait pas à quel moment l'œil ne serait qu'une caméra et le nerf optique ne serait qu'un câble et le cerveau ne serait qu'un centre de traitement. On ne sait pas comment ça marche. On sait au contraire qu'on a une mémoire neuronale, par exemple. Autrement dit que mon corps enregistre une série de choses et que ma mémoire n'est pas dans mon cerveau, elle est dans l'intégralité de mon corps. Et, donc, il y a mille et mille choses qui prouvent en fait que la machine humaine est terriblement compliquée. Mais surtout que la machine humaine est une. Et enfin, si cette machine humaine est une, c'est aussi une machine qui est reliée à tout ce qui l'a précédé. Comme le dit Mathieu Bock-Côté, l'homme est un être de filiation qui ne peut jamais prétendre à l'autonomie radicale sans finir par se mutiler ou se dénaturer. Et donc, se réinventer en permanence est une tentation mortifère. Gunther Anders, qui est l'un des grands penseurs de la technologie, disait que la seule chose qui expliquait qu'on vénère à ce point-là la technologie, c'est que l'homme avait appris à se détester lui-même et qu'il se sentait faible vis-à-vis de la créature qu'il avait engendrée, qui sont les machines. Et donc là, on est, avec le transhumanisme, dans un mépris de soi, dans un dédain de soi, dans une haine de soi absolument incroyable, où les riches s'en sortent en disant qu'ils ont les moyens d'inventer un autre soi, mais du coup ils laissent le reste de l'humanité être soumis aux forces de mort. Pisitanat, comme disait Maurras, qui parlait un français courant. Expérimenter autre chose tout le temps, c'est ne jamais capitaliser, refuser ce qui est acquis, nier la nature, c'est refuser la langue, la culture, l'expérience distillée, transmutée, qui fait que nous acceptons normalement d'être des êtres finis. Voilà. Mais donc le transhumanisme nie ses limites. Le transhumanisme, lui, prône une émancipation définitive, un déracinement complet. Et en face, nous prenons un enracinement définitif. Nous prenons un enracinement dans l'homme, dans la nation, sans l'argent. Et face à l'homme émancipé, dénaturé, dématérialisé, face à cet homme dévasté, nous dressons un homme heureusement limité. Voilà. Nous sommes limités, nous en sommes heureux. Nous savons d'où nous venons, nous savons d'où nous retournerons, et surtout nous savons ce que nous transmettrons.